Alors, pourquoi je suis là cet après-midi? Je suis là en soutien à la librairie Duché, qui est gravement menacée. Et puis, forte de l'expérience que j'ai eue à Bar-le-Duc, qui a démontré qu'en faisant beaucoup de bruit, en appelant beaucoup de monde à se mobiliser, on parvenait à faire venir un repreneur. J'ai pensé que ça serait certainement pareil. Donc moi, en tant qu'auteur, je suis venue dédicacer mes livres aujourd'hui. Je suis dehors sur le trottoir en soutien à la librairie Duché. Je pense qu'il faut être solidaire et que tous les Verts de Noix viennent acheter à la librairie Duché et faire plaisir aux gens qui travaillent. On venait là quand on était petite, en fait, pour chercher des fournitures scolaires. Et des livres maintenant. Donc il ne faut pas que ça ferme, les magazines. Et voilà, il ne faut pas que ça ferme. Et quand on était ado, les disques? Oui, les disques, avant, mais ça c'était avant. Parce qu'à Verdun, il n'y a que la maison de la presse, il n'y a que ici où on peut trouver des CD, des bouquins, voilà, il n'y a rien d'autre. Puis ça fera vide si c'est fermé, donc voilà, il ne faut pas que ça ferme. S'ils ferment Duché à Verdun, ça ne vaudra plus le coup de venir à Verdun. C'était quelque chose d'important pour nous, hein, pour beaucoup de gens quand même. Je ne comprends pas qu'on ferme une librairie comme ça. Nous, on vient de Jarny, alors vous vous rendez compte? On aimait bien venir à Verdun parce qu'on avait des points de chute, et ça, c'est, faisait partie de... Ah, c'est vraiment... Franchement, je comprends pas. Il y a quelque chose qui va pas. Verdun ne sera pas, comme le disent les gens qui passent devant la librairie aujourd'hui, que Verdun ne sera pas en deuil de sa librairie.